Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Grappe. Quatrième émission, dernière de la saison. Aujourd'hui, on va bien s'amuser. Paul va faire un peu de sport dans la troisième édition d'Interteam, l'événement sportif de l'été sparnassien. Et ensuite, on ira faire un saut avec lui au festival Park & Watch, qui avait lieu également à Épernay pour la fête de la musique. Pour la pause musicale, on va pour cette dernière vous montrer des extraits des artistes que l'on a accueillis pour les trois premières émissions. Pour l'invité du jour, on accueille un des membres de notre équipe qui est parti au Festival de Cannes avec son producteur pour présenter leur documentaire Jungle sur la jungle de Calais. On finira avec encore un peu de sport puisque Claude et Jose nous emmènent en expédition dans les arbres, puis elles iront à la rencontre de Rosie. On accueille Paul pour le G-Show Party 1. Alors, Paul, vas-y, je t'invite à t'asseoir. Alors, du coup, pour ton G-Show Party 1, tu nous emmènes à l'événement sportif Interteam. Édition 2003. Ouais. 2017, pardon. Troisième édition. C'est pour ça. C'est ça. Lapsus. Vas-y. Alors, du coup, raconte-nous tout ça. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Alors, du coup, je suis allé voir ce qui s'y passait. On nous a invités là-bas justement pour aller voir ce qui s'y passait. Donc, il y avait pas mal de jeux gonflables. De jeux gonflables. Histoire de s'amuser un peu. Beaucoup d'équipes, 32 équipes. Alors, qu'est-ce que c'est en fait aussi Interteam? Parce qu'on dit ça comme ça, mais pour les personnes qui ne connaissent pas. Interteam, c'est le jeu de l'été, un peu comme Interville, qui en gros, c'est 32 équipes qui se battent entre guillemets en duel. Il y a beaucoup d'épreuves. Ouais, sur une bonne quinzaine d'épreuves. Ouais, je crois, je l'explique mieux après. Très bien. Ouais, en gros, c'est ça, ils se battent et après, il y a le mur des champions pour départager à la fin qui est le grand gagnant. Ok, on regarde un petit peu ce que ça donne en image. Et puis, exactement. Ok, ça marche. Alors nous voici au stade Paul Chandon pour la troisième édition d'Interteam organisée par Épernay & Co. On est à Épernay en ce moment même. On va aller s'occuper de toutes les épreuves qui se situent autour de moi là. On va aussi tâter l'ambiance et les groupes qui sont tout autour de moi aussi. Il fait tellement chaud que le maillot de bain de rigueur, du coup on va aller rigoler un peu. C'est Épernay & Co, votre association, vous pouvez nous en dire plus? Alors Épernay & Co a pour but de divertir le bassin sparnassien, c'est-à-dire qu'on organise des sorties comme Walibi une fois par an par exemple. On fait des lotos, on essaye de faire quelques animations, dont Interteam une fois par an, le gros événement d'Épernay & Co. Alors le but d'Interteam à la base, c'est de se faire rencontrer des gens qui soient sportifs ou non, pour une journée de détente et de convivialité entre sparnassiens ou pas. Ça commence à être relayé au-delà de la Marne, de la Haute-Marne, l'Aisne et les Ardennes, et reprendre l'esprit Interville, mais revisité à la sparnassienne. Où la vachette? Alors la vachette, pour un souci de protection des animaux, on s'était renseigné, mais c'est impossible. Et il y a combien d'équipes? Alors 32 équipes de minimum 8 personnes. Ils peuvent aller jusqu'à 10 personnes puisqu'ils ont le droit à 2 remplaçants par équipe. Il y a combien d'épreuves en tout? On a 16 épreuves, dont la dernière, l'épreuve phare, le mur des champions, qui permet de départager toutes les équipes. Alors monsieur, c'est quelle équipe? Le patafouin. Ça se passe bien? Magnifique, regardez, je suis tranquille, tout va bien. On avait un sacré paquet de boules. Vous aussi apparemment, non? Troisième. Alors monsieur, c'était dur? Non, ça va. Ça reste simple, j'ai un bon binôme. Ah, c'est le binôme qui fait tout? Non, mais on est coordonnés, donc c'est le principal. Et ça se passe bien, vous? Ça va, c'est mieux que les années précédentes. C'est quelle équipe? Tipiak 2.1. Ça se passe bien en ce moment? Très bien, un peu arrosé, mais... Vous êtes humide aujourd'hui. Ah bah là, ouais, il y a ce qu'il faut, là. C'est quoi votre nom d'équipe? Les Mambo. Un conseil aujourd'hui, c'est quoi? C'est le maillot de bain, le slip? Le maillot de bain, une bonne glacière pour récupérer entre les épreuves et puis de la bonne humeur. Maintenant, on a eu un petit défi avec les deux animateurs qui sont Jérémy Kiffel et Mounia de la Villardère. Et on s'est battu un peu sur plusieurs épreuves, histoire de départager quel est le meilleur animateur entre nous. T'as fait un interteam d'animateurs en fait. Exactement, okay. C'est ça. Du coup, on regarde qui est le meilleur. Exactement. J'espère que c'est toi qui a gagné quand même. On regarde. Alors je suis Mounia de la Villardière. Non, c'est toi. J'avais envie de me prendre le temps d'un instant pour Mounia de la Villardière, mais non, je suis Jérémy Kiffel. Et vous? Et moi, je suis Rouquin. Non, je suis Mounia de la Villardière. Bonjour. Quel est votre rôle aujourd'hui?
Bah de divertir un maximum, à l'exemple de ceux qui ont créé et puis qui ont animé pendant de longues années Interville. Moi je sais que c'est déjà la troisième année que vous présentez. Comment ça se déroule l'ambiance aujourd'hui? Niveau ambiance, d'année en année, c'est super parce que forcément les gens parlent, c'est pas, donc le bouche à oreille fonctionne, c'est bien, ça fait plaisir. Organiser ça sur une journée, c'est pas donné à tout le monde et chapeau. Franchement, il y a un beau boulot et nous, on est ravis de faire, excusez-moi l'expression, mais on est ravis de faire les cons toute la journée. Se mettre en maillot de bain, c'est pas tout le monde qui le ferait. Du coup, on pourra se proposer un petit défi à la fin pour savoir quel est le meilleur animateur entre nous. Mais tous les défis que tu veux. Du coup, tu n'étais pas là ce matin, on est des brels. Pas grave, on verra bien. Comme Jacques Brel, sauf qu'on est deux. Regarde, tu vois, regarde, il est déjà en condition, lui, regarde-le, là. Il a le t-shirt pour la course à pied. Non, je préfère t'affronter sur le mur des champions, tu vois, ce soir. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis fidèle au mur des champions, troisième édition. Je triche un peu, je te l'avoue. Mais je pense que la grappe, elle peut être pas mal sur le mur des champions, Mounia. Moi, je vais t'affronter au ballon. Non, mais pour terminer, c'est vrai que j'aime bien. On va l'affronter au ballon, mais tu sais qu'on aime bien faire chier notre monde, Mounia. C'est-à-dire que là, t'as un, deux créateurs, un preneur de son. Mounia, regardez. Alors, on est stable, ça fait moi les larmes, la grappe. On va pas vous la lâcher, la grappe, hein. Je compte sur toi, Mounia. Le lamine. Mais tu le lamines, la tête qui les gars, quoi. Ah, vas-y, Mounia. Oui, attaque sur les parties génitales aussi, ça peut lui faire mal. Vas-y, ouais, tiens, bim. Bah, il faut moi les bras, la grappe, là, hein. Oh, mon Mounia. Ça fait un partout. Ouais. Demande au juge, venez voir le juge. Est-ce que ce qu'elle a fait est égal en championnat ou pas? Est-ce que c'est bon ce qu'elle a fait? Non. Allez Mounia, fais le coup. Oui. Ah, qui est tombé en premier, monsieur le juge? Là, monsieur l'arbitre, tu dirais qui? Le casque rouge a perdu. C'est sûr. T'inquiète Mounia, je vais rattraper l'affaire juste là-haut. Viens, il va venir avec moi maintenant. Non, non, mais là, ça fait déjà 2-0, là. Non, mais si tu veux, on a été surpris. Parce que regarde, on a voulu... Attends, est-ce que je peux avoir un ballon, s'il te plaît? Parce que regardez Mounia, elle est balèze, regardez. Regarde, Mounia, elle va te manger, elle va me manger. Et moi, on marque plutôt au stade de Reims, ok? Tu vois, regarde, si t'avais affronté Mounia, regarde la misère que t'aurais, regarde. Ouais, ou pas. Mounia, bien. On va commencer, tu vas passer le 4 boules, là. Ils m'ont volé mes chaussures. Ils ont tellement perdu qu'ils me volent mes chaussures. On se rendez-vous dans une quinzaine de minutes au rodéo, d'accord? Y'a pas de soucis. T'inquiète pas, tu ne l'auras pas le rodéo. Non mais tu filmes ça là? Ouais, je reviens aussitôt. Eh, le but de la tête pour les mains, ça fait bien, c'est pas dressé. Oh, ça c'est de la tristesse. Oh, merde. Regarde, il y a des casques, ça fait bien, c'est pas grave. Je suis pas venu là pour souffrir, s'il te plaît. Si t'arrives à me l'en mettre. C'est bien, moi, t'as gagné. Ouais. Une fois. Ouais, désolé, hein, Jérémy Mounia. Ils nous appellent, ils sont pas contents d'avoir perdu. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à eux d'avoir participé à tout ça. Je te propose de rester pour la partie 2 qui va s'enchaîner assez rapidement. On va juste faire une petite pause musicale. Comme on le disait dans le sommaire, on va réunir un petit peu les trois groupes qu'on a accueillis durant les trois précédentes émissions de cette saison. Rooster Kitten, The Defigureds et Paulette Wright. On les retrouve tout de suite en image.
Merci à eux en tout cas, on voulait revenir en image sur ces trois groupes qui nous ont fait l'honneur de venir sur les trois précédentes émissions. Pour clôturer du coup cette saison, on voulait revenir un petit peu vers eux. Paul, on revient vers toi. Je suis parti d'eux, c'est ça. T'es parti où ça? Park & Watch, le 21 juin. Exactement, 21 juin, fête de la musique à Épernay, le festival Park & Watch, on vous en parlait déjà dans les trois premières émissions. Donc là, on est parti un peu voir ce qui s'y passait, vu que c'était notre festival, on vous a voulu en parler un peu. On savait en fait un peu ce ouais, qui allait se passer. C'est vrai. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, il y avait quatre artistes pour le côté musique. Donc ouais. Il y avait Paulet Wright, ensuite il y avait Invigo, ensuite les Rooster Kitten et encore DJ Salsify. Et pour clôturer ce festival, on avait une projection en plein air d'un film sur écran géant. C'était le film Whiplash. Ok, très bien. Du coup, tu t'es baladé? Ouais, je me suis baladé, puis histoire de montrer ce qui s'y passe. Donc nous voici au festival Park & Watch qui se situe au Parc de la Mairie à Épernay, que nous avons créé. C'est un festival de musique qui regroupe pas mal d'artistes comme Paulet Wright, les Rooster Kitten, Invigo, il y a aussi DJ Salsify. On aura aussi une projection de cinéma en plein air. Donc je vous laisse voir ce qui va se passer. Franchement, je pense que ça va être pas mal. Et c'est le premier festival, enfin la première saison de ce festival. Donc nous allons voir ce que ça va donner. Que viens-tu faire ce soir? J'ai écouté de la bonne musique, boire de la bonne bière. J'ai passé une bonne soirée, la musique était très festive et la bière était très bonne. Tu viens pour la fête de la musique ou tu sors comme ça tout le temps? Non, fête de la musique exceptionnellement. Et festival Park & Watch? Aussi. Obligatoirement? Obligatoirement. T'en as pensé quoi du festival? Parfait, rien à redire. Rien du tout? Rien. J'espère qu'elle est assez fraîche à ton goût du coup. Ah, elle commence à être chaude un peu quand même. Mais le temps est chaud. Ah oui, bah c'est sûr, il fait chaud. On va la finir. On va la finir, hop. Et merci à vous pour la soirée. Et merci à toi. Hey, lost in the atmosphere, fighting all alone, swimming in a dream. But allow me, it's my home and I need a snow. No return.
Alors salut les filles. Alors qu'avez-vous fait ce soir en cette belle soirée d'été? Bah on s'est vachement baladé, il y avait plein de trucs sympas. C'était bien cool. Tu penses quoi toi de cette soirée? Franchement c'était super, vraiment. Et je le conseille à tout le monde. Le festival? Ouais, le festival. Et ce que vous avez fait, ce qui s'est passé ici. Et toi t'en penses quoi du festival? Bah franchement c'était cool, en plus on est grave bien quoi. Enfin, puis même, c'est chaleureux on va dire. En plus, il y a des gens, tu les connais pas, ils viennent te parler comme ça. Puis enfin tu parles de tout, puis c'est cool. C'est l'ambiance festivalière. C'est ça. Et maintenant c'est l'heure d'aller regarder le film. Ouais, on y va. Il va te plaire le film? Bah ouais, je pense. Est-ce que c'est? Ouais. Comment il s'appelle? C'est avec un batteur. Whiplash. Voilà, c'est ça. Bien joué, vous avez gagné. Non, vous avez rien gagné du tout. Alors bonjour à vous. Alors je suis actuellement avec le groupe Invigo, c'est ça? Exactement, Invigo. Ouais. Alors qui es-tu toi dans ce groupe? Alors Invigo c'est un groupe en live, donc là pour le festival Park & Watch on est un groupe parce que c'est un concert, mais autrement c'est mon projet, c'est moi Invigo et je suis tout seul à produire, composer et mixer. Voilà. Et toi du coup tu fais quoi là sur scène là aujourd'hui? Alors là sur scène je fais les claviers, les solos claviers et les voix. Moi je suis à la guitare électrique. Je fais de la basse moi. Moi la batterie et je balance aussi les samples. C'est quoi Invigo de base? Invigo de base c'est un projet que j'ai commencé il y a 2 ans tout seul à composer dans ma chambre et petit à petit il y a Thomas, les deux Thomas et Pierre qui se sont joints au groupe pour m'accompagner sur scène. Et Invigo à la base c'est un projet pop et c'est de la musique un peu aérienne, cosmique on va dire. Et j'ai déjà sorti 2 EP et là je suis en préparation du 3e EP. Du coup, tu penses quoi de ce festival? Pour une première édition, je trouve ça assez fou. Les gens sont gentils, ça fait plaisir de sortir de Paris et je trouve ça super. Et j'espère qu'il y aura une 2e édition parce que je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Le cadre est magnifique et on a passé un super concert. D'habitude, on joue principalement sur Paris, dans des salles comme l'International, le Bus Palladium, Supersonic, des salles sur Paris. Ouais, tu restes dans Paris. C'est ouais, la première fois que tu sors? C'est la première fois qu'on sort de Paris, absolument. Eh ben, on en a de la chance. Ça vous fait quoi d'être dans la capitale du champagne? Ça boit un peu de champagne? Un petit peu, ouais. Je t'avoue, je préfère quand même la bière, mais je veux pas être à la joie, mais le champagne ici est très bon. Je préfère la citronnade, vous avez fait une citronnade qui déchire, vraiment meilleure que le champagne. Moi, champagne à fond, et puis c'est vrai que ça fait plaisir d'être ici pour le cadre déjà, la sympathie des gens, ça change un peu de Paris, on va pas se le cacher, et puis c'est vrai que le côté backstage champagne, bien plaisant. Bon, on tient à dire que l'alcool, hein, avec modération, hein, bien sûr. Bon alors du coup, tu m'as dit que t'allais sortir de nouvelles choses. Absolument. Là, je suis en préparation donc, de mon 3e EP que je vais sortir en octobre, fin octobre. C'est un triptyque sur l'amour. Il y aura 3 musiques illustrées par 3 clips et déclinées sur 3 couleurs différentes. Bleu, violet, rose. Et voilà, ça va sortir en octobre et j'espère que ça va être joli et que ça va plaire. Ouais, on espère pour toi. Vous pouvez retrouver le projet sur Facebook, YouTube, Spotify, Instagram, Twitter. Tous les réseaux sociaux quoi. Ben, on vous souhaite une bonne continuation et puis merci d'être venu au festival Park & Watch. Merci à toute l'équipe de Park & Watch. Big up! Tu t'applaudis toi-même? Ouais. Ah, merci Paul, encore une fois. De rien, je sais. C'était pas mal. Je te souhaite un bon été. Merci, toi aussi. À la rentrée? Ben non. Non, non? Ah, mais ça c'est. Un peu avant. Chut, on verra. Chut, discret. Voilà. En tout cas, tout de suite, on accueille nos 2 invités du jour, Dimitri Bois et Arnaud Hull. Bonjour Dimitri. Salut Arnaud. Salut. Je vous invite à vous installer. Vous êtes bien? Super. Il fait bon, c'est agréable. Il fait très chaud. Ouais. Du coup, vous êtes les 2 réalisateurs du documentaire Jungle.
qui a été sélectionné dans le catalogue du cours à Cannes. Ouais. Un documentaire qui parle de la jungle de Calais. Mmh. Donc Dimitri Bois, gérant de la boîte de production Emergence Productions, et Arnaud qui en plus est un membre de notre équipe. Je vous propose de regarder quelques extraits de ce documentaire justement et on en parle juste après. Alors pour résumer un petit peu ce documentaire, enfin les extraits que vous venez de voir, ça a été tourné du coup de novembre 2015 à mars 2016, dans la jungle de Calais forcément. C'est un documentaire factuel, il n'y a pas d'interview, c'est vraiment que de la prise de vue image. On peut d'ailleurs retrouver ce documentaire sur YouTube, on vous mettra le lien. Alors du coup, pourquoi avoir fait ce documentaire? Ah bah tiens, ça c'est une vraie réponse pour Arnaud. Non c'est vrai, c'est l'idée originale d'Arnaud. C'est une idée originale d'Arnaud. Non, j'ai pensé une fois faire ce documentaire tout début quand on commençait à reparler de la jungle. Ça devenait un gros problème, on en entendait parler tout le temps aux infos, mais on entendait toujours parler des CRS, des débordements, etc. Et je suis du genre à croire que ce que je vois en vrai. Et je me suis dit que Calais, c'était à quoi, 2 heures de route d'ici. Mm-hmm. C'est pas très loin finalement. 2 heures de route pour aller dans le camp de réfugiés, qui était à l'époque le plus grand camp de réfugiés d'Europe. Donc 2 heures, c'était pas beaucoup. Donc je me suis dit, je vais aller là-bas pour voir. Et puis je me suis dit, vu que ma passion, c'est de filmer, de faire des courts-métrages, etc., je vais emmener une caméra et puis je vais ramener des images, des vraies images, pour montrer ça aux gens. Parce que j'étais sûr, ou presque sûr, qu'il n'y avait pas que des CRS qui tapaient sur des réfugiés, quoi. Alors justement, comment ça s'est passé pour le tournage? Ça a dû être un tournage un peu particulier, j'imagine. Ouais, on y est allé 3 fois, en fait. Sur cette période-là, on y est allé 3 fois. 2 premières fois dans la jungle classique, j'ai envie de dire. Et la 3e fois, c'était le premier démantèlement. Mmh. Avant vraiment qu'ils commencent vraiment à tous les expulser. Et le tournage en lui-même, en fait, on s'est beaucoup approché de l'asso l'Auberge des Migrants, mmh. qui nous a vraiment accueillis là-bas sur place, ouais. On le voit d'ailleurs dans le doc, on les voit un peu bosser, etc. C'est, on peut dire, une des plus grosses associations, la plus grosse, impliquée en tout cas, qui était impliquée dans la jungle à l'époque. Alors justement, comment on fait pour être sélectionné à Cannes avec un documentaire comme ça? Ah. Comment se passe la sélection même? Bah, en fait, c'est tout simple, hein. Ça se fait en ligne, c'est quoi, 85 euros, mm-hmm. Il faut parler argent parce que c'est là où ça va devenir intéressant. En fait, t'inscris ton cours pour 85 euros en ligne, c'est bien fait, ils ont un super beau site, et puis, t'attends. T'attends assez longtemps, d'ailleurs, finalement, très longtemps, et à un moment, tu reçois un mail où ils te disent « oui, vous êtes sélectionné pour faire partie de… » du catalogue, des cours présents au short film, corner, etc. Tu reçois un mail qui te dit que tu n'es pas sélectionné. Ah oui, parce que oui, en sélection officielle. Parce qu'en fait, il y a 2 choses. Il y a la sélection officielle et le catalogue où sont tous les courts-métrages retenus, en tout cas pour être dans le catalogue. Et là, ils ont un très très beau corner, hein, quand on le voit un petit peu dans le... On va le regarder dans, juste dans le après. Dans le blog, on verra peut-être certainement après. Et ça, voilà, c'est 85 euros, c'est tout, et voilà, ça suffit. Sachant que maintenant, en sélection, il y a quoi? Il y a 9 films courts sélectionnés, ouais. Sélectionnés. Il y en avait un français, c'était un film d'animation. Tout le reste, c'est des films étrangers. Mm-hmm. Et donc, autant dire que ceux qui espèrent réaliser un court et qu'ils soient en sélection officielle, en tout cas au Festival de Cannes, c'est mort d'avance, quoi. Ok, bah écoutez, moi je vous invite tout de suite à regarder quelques images. Ils ont réalisé un blog sur place. On regarde un petit peu l'ambiance du Festival de Cannes. Voilà, il est midi, on est à Charles de Gaulle. On quitte le TGV et on va prendre l'avion direction Cannes. On
9h moins le quart sur la croisette. C'est parti pour retirer les accréditations. Accréditation en main, plus qu'à attendre les invitations pour les projections. Fermeture de l'accès à 8h, donc faut être là au moins une heure avant pour faire la queue pour réussir à rentrer. C'est pas parce que t'as les invites qu'il faut pas faire la queue. C'est pas parce que t'as le badge que tu vois des films. Le 70e anniversaire du Festival de Cannes, ça n'arrête pas. D'ailleurs, au début on était une petite dizaine. Et là, il y a du monde. Il y a même Lambert Wilson qui fume sa clope là-bas. La deuxième d'ailleurs, pour pas dénoncer. Oui, David Lynch. La loose qui est pas l'affiche. La loose, ils ont pas mis notre affiche. Ah oui, ben voilà. J'ai rajouté. Bah, c'est une affiche. C'est l'affiche. Un très très beau catalogue avec tous les cours. On peut dire qu'on fait partie du catalogue des courts-métrages du 70e Festival de Cannes. Il est 20h45, on part de Mandelieu pour rejoindre la Croisette. Une séance prévue à 23h, film coréen qui a l'air bien sympa au niveau du scénar. Plan renforcé aujourd'hui au niveau sécurité. C'est un petit peu pour vous dire, ça devrait le faire si on arrive à accéder au parking du Palais des Festivals. D'attente là. On se dirige, comme on vous l'a dit, vers la montée des marches pour la projection de Bulandang, film coréen. Très sympa, vous le voyez en live. La salle Louis-Lumière se vide petit à petit. Demain, séance à 8h30. Je vous laisse terminer et j'allais me coucher sur ces quelques images. Alors, on a vu, qu'est-ce qui s'est passé là avec la voiture? Avec la voiture? Ouais, il y a eu un accident, un chien, une femme, je ne sais pas. Non, ça a été monté en partie par Greg et un stagiaire de Saint-Jean. Et quand il nous a vu en voiture, il a fait la petite blague, c'est de la post-prod, hein. Il n'y a pas eu d'animaux blessés pendant le tournage. Ok, alors, pour la suite des aventures, est-ce que vous avez des projets communs, séparés, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, rien de prévu. Peut-être retourner à Calais. Ah, j'y pense. Peut-être, oui, moi aussi j'y pense. Je pense que ça a bien changé. C'est en train de doucement de se réinstaller en plus, non? Pour l'instant, il n'y a plus de jungle. À part quelques tentes qui traînent par-ci par-là, mais les réfugiés sont surtout dans la ville maintenant ou planqués dans la forêt. J'apporte une petite précision qui est quand même super importante, c'est qu'on dit jungle, on a l'impression que voilà, c'est des animaux, des machins. C'est eux qui se sont nommés comme ça. Ouais. C'est pas nous qui utilisons le mot jungle pour dire voilà, c'est comme des bêtes, etc. C'est eux qui ont donné le nom jungle à l'endroit où ils étaient à Calais. Voilà. Quand tu débarques là-bas et que tu vois des tentes quechua, dans le vent, dans la flotte, dans la boue. En fait, à un moment, tu es là et tu te dis « Ah bah merde, putain, il y a des gens dedans, en fait. » Mais en fait, parce que tu les vois pas. Et ils sont 3, 4, il y a des gamins. Enfin, donc c'est terrible, vraiment c'est terrible. Et en fait, ils se démerdent. Tu vois, il y a des rues, on en voit, ils ont ouvert leur petite boutique. Enfin, c'est une vraie ville. Là, maintenant, il n'y a plus rien. C'était même une très grosse ville, puisqu'au plus fort, il y avait 10 000 personnes là-dedans. Oui, quand même, c'est une très grosse ville. Hein. Et c'était compartimenté, voilà, t'avais les Blacks d'un côté, les Syriens d'un autre, enfin voilà, c'était vraiment les Afghans d'un. Enfin, toi, t'as des quartiers, etc. Enfin, c'est immense, c'est vraiment immense. Alors, et justement, genre, si vous deviez définir ce film en un mot. C'est dur, ça. Jungle. Comment? Jungle. Il est malin. On l'a fait dans le titre, pourquoi tu poses la question? C'est vrai qu'on s'est fait chier à pas mettre un petit truc qu'on n'a pas mis la jungle, tu vois. Ouais. Jungle parce qu'en fait, en plus, on le voit dans le doc, c'est un vrai tag qui a été fait par eux en fait sur une des tentes. Et du coup, on a repris la typo du tag pour en faire le titre en fait. Donc c'est vraiment un mot qui correspond bien à tout ce qu'il peut y avoir là-bas. Écoutez, merci beaucoup à vous deux, en tout cas d'être passés sur notre plateau. Et bonne continuation pour vos futurs projets. On vous suivra. Et on enchaîne avec Côté Roulotte, on accueille Jose. Ah bah.
Bonjour, donc, enchanté. Vous avez des invités très marrants sur ce plateau. Dimitri m'a lâché parce qu'il était là, c'est lui qui m'a dit de faire ça là. Et regarde, il rigole derrière quand même. Il se marre bien, mais venez, là, il faut pas se cacher. Hein. J'ai chuté là, j'ai failli mourir. C'était fait exprès cette petite gamelle. Bon, à vrai dire, ça m'arrange. Bon. J'avoue être assez embarrassée quand je dois faire l'entrée sans ma Claude. Mais oui, pourquoi elle est pas là? Finalement ça m'a arrangé. Elle n'est pas là, ben non, parce qu'elle a aussi un emploi du temps perso. Vous allez me dire, nous aussi, et oui. Heureusement. Mais alors, on doit jongler un peu avec voilà, les dispo de chacun. Forcément. Votre première chronique côté roulotte, je pense que là, on est parti sur du sport, non? C'est pas ça? Du sport, bon, à moitié. Du sport du dimanche, on va dire. Vous connaissez maintenant, je pense. Et sport du dimanche, si on veut. Mais c'est pas centré vraiment sur l'activité sportive, mais on en montre un petit aperçu. Je pense que le mieux, c'est de démarrer par les images, comme d'habitude. Hein. On regarde les images. Cette même formule. Très bien. Okay, on regarde les images, alors. Claude m'amène chez aujourd'hui. Alors, on va aller faire de l'acro-warm. J'espère que ton string est bien attaché, parce que ça va décoller. Merci, c'est les temps de place. Là, on est en forêt. On va voir un peu où c'est, la Claude. Tiens, hop, bingo, toujours une place pour la petite Claude. Emplacement réservé, c'est écrit pour Claude et Rose. Claude fait ses squats. Claude, comme d'habitude, se plaint tout en enregistrant tout ça sur les réseaux sociaux. La Claude en quête d'aventure et de sensations fortes. Quasimodo qui est... Sonne les cloches. Voilà, tu le tiens bien, tu passes tes deux mousquetons. Là, Claude me montre une agilité sans faille. Garde ça, elle te fait des squats à tout va. On trouve l'agilité de ses 20 ans, là, Claude. Si je fais une chute, c'est de votre faute, je vous le dis. Hein. Sans aucune hésitation, elle continue le parcours. Et là, elle va te faire une tyrolienne, retour en Suisse. T'es sûr? Ça y est, la Claude. Allez hop, Keblo, attention, elle est où là? Je pense qu'elle va. Au bout de ma vie. L'agilité du chat. Non mais là, elle me pousse avec son pied. Je crois pas, elle me fout dans le vide, elle n'hésiterait pas une. Regarde-moi ça, la Claude d'une vraie araignée Spider-Man. Ça, c'est vraiment la partie que je préfère. Je trouve que je suis assez agile sur cette étape. Non, mais en fait, là, t'es pas obligé de te rattacher. Tu. Je monte quand même la hauteur. On va attendre le vélo et le seigneur. De toute façon, je viens là tous les dimanches. Alors là, Claude, on a fait un peu de sport là, et maintenant tu nous proposes de se désaltérer, c'est ça? Exactement. Au même endroit. Ah, ça y est, la Claude n'est plus agile, la Claude perd l'équilibre. Sur ce petit pont suspendu. Avec la Claude, une petite coupe de rosée. Face à la champagne. Je vois qu'on s'est fait plaisir, une petite coupe de champagne et tout. Oui, donc effectivement, donc c'est là que... Et c'était du sport, c'était un vrai film d'action là du coup. On s'est donné, oui. On s'est donné. Après voilà, on a fait le petit parcours, vraiment, c'est un parcours d'entraînement à vrai dire. Ah. Donc c'est pas un vrai parcours. Il garde un peu le mystère, parcours. Mais il est déjà assez physique, hein. Je dois vous avouer que moi je m'en serais contentée, mais la Claude est un peu plus téméraire. Et donc le but principal c'était vraiment ce bar perché dans les airs. Donc ça se situe à Verzy, je précise quand même si on mettra tous les liens comme d'habitude. Ça se situe à Verzy et... Donc le Pershing Bar. Pershing Bar, voilà, au parc Arbre Oxygène de Verzy. Et c'est vraiment un lieu assez sympa, super vu. On peut y accéder sans faire la cobranche. Bien sûr, tout à fait. On peut y accéder qu'en grimpant quelques marches et en faisant... voilà, un petit peu de côte. Okay. Mais on monte déjà un petit peu avec la voiture, c'est pour ça qu'on est déjà en hauteur de base. Très bien. Et vous avez du coup interrogé les gérants, j'imagine? Oui, alors des plus des employés, je dirais. Du très lieu. Bien. les employés du lieu qui ont accepté de répondre à nos questions par rapport à ce lieu un peu atypique. L'idée d'où elle est venue, même si elle vient pas d'eux, mais ils ont pu nous expliquer un peu mieux le contexte. Alors le Pershing Bar ouvert il y a 7 ans,
donc en 2010, et la partie Acrobranche a ouvert en 2006, donc ça fait 11 ans. On travaille avec le respect de l'environnement, donc on a des toilettes sèches, on a l'énergie photovoltaïque, donc on est autosuffisant en énergie. Les gens ne montent pas forcément au bar après, puisqu'on a quand même une clientèle qui vient à l'Acrobranche souvent avec des enfants, et les enfants de moins de 12 ans ne sont pas acceptés au bar. Donc voilà, généralement les familles qui viennent avec des enfants restent sur la partie Acrobranche ou alors laissent les enfants s'amuser sur la partie Acrobranche et les parents vont boire une petite coupe en attendant. Donc, voilà, c'est vraiment pour venir déguster une coupe et profiter d'un lieu un peu exceptionnel que vous ne trouverez pas ailleurs, ni dans la région, ni peut-être même pas en France. Et du coup, vous êtes ouvert toute l'année ou... Alors, on est ouvert de fin mars. Généralement, il y a un salon à Reims qui s'appelle Tendance Nature. On fait une présentation de l'activité à ce salon et on ouvre la semaine suivante. Donc, cette année, c'était le 25 mars, par exemple. Et le parc Acrobranche ferme après les vacances de la Toussaint, donc fin octobre. Et le bar reste ouvert jusqu'à mi-décembre, à peu près, en fonction de la météo. Voilà, en fonction de la météo. Vous répond à pas mal des questions que vous vous posiez. Oui. C'est-à-dire au sujet vraiment de toute l'organisation, l'aménagement du lieu. Je pense que tout est dit en fait. C'était juste une simple découverte d'un lieu qui est très beau en fait, très atypique. On retrouve le lien juste en bas de l'écran. Ça vous permet d'aller voir justement et peut-être même de réserver. Voilà. En tout cas, c'est vraiment à proximité de l'Acrobranche. Donc on peut faire un combo des deux. Et je conseillerais la coupe de champagne après, bien sûr. C'est vrai que c'est toujours mieux après l'effort. Ensuite, on enchaîne avec un deuxième reportage. Voilà. Alors là, on est un peu sorti des sentiers battus, j'ai envie de dire, parce que là, on est parti à la rencontre d'une personne, d'une jeune certaine artiste. Rosie. Une certaine Rosie. Je vous laisse regarder les images. Maclaude, bonjour. Déjà, ne fume pas trop dans cette voiture, s'il te plaît. Donc, pause, Maclaude, aujourd'hui. Je t'emmène dans un monde fantastique où tu vas pouvoir te tatouer. Non, mais je sais que t'aimes bien les tatouages, Claude, on l'a fait par moi. Bon, Claude, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller voir cette Rosie. Je sais que toi, Claude, tu as plusieurs tatouages à ton actif. Un seul. Le corps est garni. La première engueulade de côté roulotte. Non, mais la Claude va me foutre les seins partout, je suis obligée de récolter ça. Et après, et tu peux encore dire que c'est pas toi, ça. C'est pas moi. Mais qui? C'est qui? Claude, où es-tu? Ici même. Ah, j'aime bien. En fait, je m'ai inspirée des tatouages berbères. Ouais, ouais. Donc, à la fois la force et à la fois la tradition. Et le côté fin et le côté hyper, hyper fin. Ouais, c'est super beau, les dessins. Là, je travaille avec vraiment trouver, tu vois, la couleur et la finesse. Là, je vais faire une série. Bah, en fait, j'ai envie qu'on comprenne le plus de choses avec le moi. Ouais, ça c'est ce qui m'intéresse vraiment quoi. Parce que j'aime beaucoup tu vois les gros tatouages mais moi c'est pas tout comme ça que je vois les choses. Je me dis il faut que ça s'intègre dans le corps, avec les lignes du corps. Ouais, un truc comme ça, le long de la colonne, c'est vrai. Ouais, non, je suis très chaude maintenant. Ah, ça y est. C'était Rosie, qu'on ne connaît pas de base, on s'est un peu renseigné, on voulait partir sur quelque chose de différent d'un bar, d'un machin, sur quelque chose d'un peu plus esthétique. Justement, tout le monde peut aller la voir, tout le monde peut ouais, se... Ouais, Rosie, donc en fait, elle ouvre bientôt son salon de tatouage à Reims, qui sera lié à un centre un peu de relaxation. Donc en fait, ce qu'on a plutôt aimé avec Rosie, c'est que ça change en fait du magasin de tatouage avec la grosse Harley Davidson en vitrine et... Les dauphins. les dauphins ou les têtes de mort. Là, on part sur une idée de salon beaucoup plus. Enfin,
Vous non étiez, pas que vous étiez chez elle directement là. Mauvais, mais là on était chez elle parce que pour le moment elle a pas son salon. Donc elle pratique à domicile. Et Claude s'était donné là du coup pour le coup, elle a un énorme Claude, tatouage elle est dans assez, le dos. Tatouage. Alors attention, c'est pas un tatouage, hein, vous le voyez bien je pense sur la vidéo, c'est un tatouage éphémère. Hein. Donc c'est où est né en fait. Elle dessine très bien, on peut venir avec son propre dessin. Après elle va pas le faire, c'est ce qu'elle explique après, enfin je vais pas tout redire, mais elle explique que si on vient avec un dessin et qu'elle, elle le sent pas et que c'est pas ce qu'elle fait, elle le fera pas. Donc elle veut vraiment faire les choses dans lesquelles elle se sent, à l'aise et imprégnée de la même énergie. On va l'écouter justement. Écoutons-la. Bah, je m'appelle Rosie Jacot, j'ai 25 ans, j'ai fait des études en art appliqué et art plastique. Et ça fait longtemps que j'aime le tatouage. Je suis vraiment dans l'optique de monter mon salon de tatouage, mais pas on va dire dans la même vision que ce qu'on peut voir actuellement. L'idée en fait c'est que moi je vois le tatouage vraiment comme, comme un rituel, comme quelque chose qui marque une vie, et aussi c'est un passage où on a besoin d'être épaulé, c'est-à-dire parce que ça fait mal, parce que c'est douloureux. Et du coup c'est vraiment mettre ensemble le côté écoute du corps, conscientisation des choses et artistique, parce que du coup j'ai fait 8 ans, ça fait 10 ans que je dessine beaucoup, je peins, que... Et c'est vraiment pouvoir allier les deux. Par exemple, je peux très bien masser les gens aussi avant de les tatouer parce que je sais telle zone qui fait souffrir. Ensuite, j'aime bien aussi que mon dessin soit vraiment aligné au corps. C'est-à-dire que on est vertical, les jambes sont vers le ciel, bah les traits vont monter. J'ai pas envie de casser les courbes du corps. Vraiment, comment est-ce qu'un tatouage peut se fondre dans le corps? Je travaille beaucoup dans la finesse, j'aime bien les traits fins, les détails, à la fois aussi pour comment est-ce que le tatouage va vieillir dans le temps. Ma créativité ou mon imagination, elle va se poser avec la personne en face, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble. On va voir tout le côté psychologique aussi, qu'est-ce qu'elle a envie de mettre dans sa peau, pourquoi, comment est-ce qu'elle a envie que les lignes elles se mettent, quel endroit. Parce que tatouer sur son pied et tatouer sur sa poitrine, c'est pas du tout le même sens, c'est pas du tout la même chose. C'est pas non plus la même sensibilité non plus. Des gens qui ont très peur de la douleur, je vais pas leur faire un tatouage ici quoi. Tout ça, c'est des choses à voir et à faire en fonction de la personne. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est tant le côté psychologique que le côté artistique. Allier les deux et voilà, c'est ce que je compte faire ici à Reims. Donc voilà, c'était Rosie qui vous a bien décrit, son univers. Son univers, son activité. Personnage très sympathique et très intéressant. Une date précise d'ouverture de son salon de tatouage ou pas encore? Ce serait du janvier. Début 2018. Ok, très bien. Voilà. Mais en attendant, elle a une petite carte où on mettra aussi une page Facebook sur notre lien. Et elle est toujours ouverte. On peut venir donc chez elle. Il suffit de la contacter et elle est partante. Et après, ça se passe sur une rencontre autour d'un thé, comme vous l'avez vu. Et c'est très convivial. Il y a un petit peu de discussion avant de passer vraiment à l'acte. D'ailleurs, le nom du studio, juste, c'est Rosie Rose Tattoo. Qu'on mettra en toute façon. Voilà. Bon, maintenant je sors de côté roulotte. Ouais, une petite parenthèse. Exactement. J'aimerais bien qu'on revienne en fait sur en image sur le festival Fury. On avait reçu les deux personnes qui étaient en charge de l'organisation du festival, qui nous ont pas mal parlé donc de ce festival-là, des festivals des arts de rue à Chalon, qui a eu lieu il y a environ un bon mois. On va juste revenir rapidement en image dessus, parce que voilà, elles sont venues en parler. Maintenant, on veut juste vous montrer un peu. Donc on découvre un peu ce festival en image. Merci Majoise pour tout Romain, ça, pour ouais. Les côtés roulottes, pour le festival Normal. Fury. Merci. C'est toi qui t'es rendu toi-même faire les images de Fury. C'est vrai que c'est moi.
Ça te tenait à cœur. Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis très, très bon festival. Et je remercie encore Aurore et Cécilia d'être venues déjà sur le plateau, répondre à nos questions et puis nous avoir accueillis sur ce festival, faire les images. Voilà. Merci. Encore une fois. De rien. Et merci puis moi, je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite un très bel été. On se retrouve forcément à la rentrée. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura plein de choses, notamment peut-être des surprises cet été. Donc voilà, continuez à nous suivre. Merci encore. Bon été. Salut.